Vous savez, votre opération des 30 propositions RMC et puis la façon dont vous l'avez lancée, j'ai souvent dit partout où je passais ces derniers jours que je trouvais que c'était une superbe opération. Donc déjà, je vous remercie pour la contribution que vous allez faire au grand débat. Et c'est là où ce grand débat, il est beau. C'est que dans ce grand débat, ce type de contribution peut être accueilli. Parce qu'il va y avoir plusieurs façons de participer. Ce qu'on veut, c'est que ce soit facile pour les gens. Vous pourrez le faire avec des cahiers qui seront dans les mairies. Vous pourrez le faire dans des débats qui auront lieu dans les mairies. Vous pourrez D'ailleurs, le faire... qui va participer à ces débats ? Tous ceux qui le souhaiteront. Et tous les maires qui le souhaiteront. Je suis citoyen, j'habite, je ne sais pas, en Charente-Maritime, à Beaurès et Martron, par exemple, comme Gaël. Et il y a un débat, soit dans ma commune, soit dans une commune voisine. J'y vais. Vous y allez. Je participe. Vous participez. À l'issue et de alors, chaque je fais quoi débat. Je participe comment je À fais l'issue quoi de chaque débat, il y a une synthèse des échanges de ce qui s'est passé. Qui fait la synthèse ? Merci Gaël. Merci Gaël. Et en fait, vous savez ce qui me rend très heureux, Gaël, dans votre question, c'est que si vous êtes aussi exigeante, c'est parce que ça vous intéresse. Et donc, qui va faire la synthèse ? Celui qui organise. Et donc, celui qui organise, ce sera le maire. Et donc, c'est mais pour ça que certains vous ont dit qu'ils ne voulaient pas s'en occuper. Non, pas tous, justement. Pas tous, mais alors Madame, une très grande majorité a dit oui. Il y a des